Re tout le monde, allez, c'est parti pour la suite, donc l'épisode 4 pour vous, allez, on continue. Ah tiens, il y a un coffre là-bas. Bien caché. Tous ceux qui n'auraient pas fait attention à ça, ils auraient sauté. Oh, des griffes. Bonne première griffe en plus. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Bullshit. Oui, un truc pour Grim, ça m'intéresse. Mais s'il n'y a que ça. Ah bah non, il y a un coffre en plus. Ah bah c'est Noël! Non, je déconne, c'était Noël il y a 3 jours pour moi. Oh, marteau brutal de foudre! Dégâts lents, dégâts d'électrocution et dégâts critiques! Oh, ouh. Ça m'intéresse ça! Enfin, tout ce qui a des dégâts comme ça, ça m'intéresse. Chargement, les étalés chargement, j'adore, boum! Bon, bah, ça fait à peine 1 minute, donc je n'ai pas fini, loin de là, allez, go! Donc, le premier, donc, nous devrions rétablir le feu de la montagne, c'est fait. Donc, ouais, il va me dire, ouais, t'as réussi, ouais, c'est cool. La montagne a retrouvé sa voix, comment as-tu? Non, non, peu importe, je suis trop con. Tu viens d'accomplir un véritable exploit. Oh là là. Tu dois apporter la bonne nouvelle à Alia tout de suite. Ouais. J'y vais tout de suite, mon vieux. Ah ouais, il y a aussi des voyages rapides dans ce jeu. Ça nous évite de tout refaire. Donc on gagne un max de temps. On va jouer le ninja. Tu vois, Karen, j'étais là, et d'un coup, tigre, Japon, clac. Ninja, 3, 2, 1, gra. Bon, ok, la téléportation mais un peu foire, des fois, mais... la magie reste la même, je me téléporte, c'est merveilleux, j'ai l'impression de jouer à Skyrim dans un tout autre univers, c'est merveilleux. Ouais, mais là, je suis pauvre, là, j'ai rien niveau fric. J'ai rien. Vous allez me demander, mais comment ça se fait que j'avais plus d'un million? Bah, c'est normal, je revendais tout mon équipement, donc, niveau équipement, j'avais un inventaire vide, mais j'avais du fric à plus savoir comment foutre. Donc, je sais ce que je vais faire. Cavalier, le feu de la montagne coule à nouveau! Oui, grâce à moi et à Karn. Karn! J'ignore! J'ai du mal à le croire! Bah, c'est bien fait. Et pourtant, la forge est sauvée! Tu connais la suite, Camille? Tu dois encore restaurer les larmes! Je ne suis pas votre domestique. Je sais! Et nos destins sont liés. Aide-nous, et nous t'aiderons! Bon, c'est dégueulasse. En attendant, prends ça, ça pourrait te servir. Oh! Un flingue! Comme c'est merveilleux! Rédemption. Puissant pistolet appartenant au frère de Death, Strife. Je l'ignore, mais d'autres articles me donnent malheur. Parlez-moi des larmes. Donc si j'ai compris, 2 choses sont requises pour arriver à la fin. Exact, le feu éveille la terre et les larmes l'apaisent. 2 dons du patriarche. Ouais. Le feu ne suffit donc pas. Non, il nous faut les 2. Putain. Ouais, je vais t'acheter des trucs. Regardez un peu les prix, 10 000. C'est hors de prix quand même. Mais bon, après, vu ce qu'elle vend, âge brutal. Oh putain. Ah, les lents, j'aime pas, personnellement. Mais regardez, ça a des dégâts de fou! Du viol! Tiens! Je vais te vendre des trucs, tiens. Une petite pièce d'or, ouais, je suis riche! 720.
Tiens, non, je peux pas bon de ça, tiens. Et je suis réticent, mais tiens. Mais non, cette info-là, c'est... Non, je les vendrai jamais. Hein. Voilà. Donc, j'ai 100 000, je suis pauvre, c'est merveilleux. Mais je peux à peine acheter ça, ça va pas me servir du tout. Ah, je la hais, cette femme. Je la hais du plus profond de mon âme. Mais tu sais quoi, j'ai rien t'acheter. Oh, niveau gagné, oh. Et voilà, mon omnifrappe a déjà consomme 200 points de courroux, un fil. Oh, et elle affiche beaucoup. Yeah. Et or plus 1500. Oh, je commence à devenir riche là. Et voilà le rédemption. Comme dans le premier, nous a mis en flingue. Là, on en a. Le premier, c'était un espèce de fusil à pompe. Et bah là, c'est un truc de cow-boy. Bon, bah, soit. Hein. Donc, les quêtes pour... Non, pour l'instant, je vais plutôt me concentrer sur la trame principale. Les quêtes secondaires, je les ferai plus tard. Ah, mais tiens, je vais essayer de te buter, toi. Hop là. Mais attends, je suis quand même un peu plus puissant que la dernière fois. Hop là. Et un peu plus agile aussi. Chouing! Tiens. Wow, bouffe-moi ça, oh! Chouing! Oh, je t'ai loupé, tu m'as loupé de peu, hein. Oh, t'as le guac, oh, t'es guaqué, tu sais plus quoi faire, oh, oh, t'es dans la merde, Dan, t'es dans la merde, ouch, oh. Allez, meurs, aïe, oh, putain. Oh, je l'ai eu, je t'avais dit qu'on gagnait un niveau. Il n'y a pas de petite victoire. Eh ben, je t'ai eu. T'as eu de la chance. Peu. T'es trop faible. C'est peut-être trop vieux pour ça, mais t'as vu. Là, je ne fais pas. Bon, tu tiens choc face à un vétéran. Il en faut plus pour gagner mon respect. Ah ouais, il va nous donner des quêtes intéressantes. Tu les tous et j'amènerai peut-être que tu es le vrai cavalier. Putain! Mais je suis la mort elle-même! Belle tire. Une quête intéressante. Où puis-je trouver? Belle tire est semblable dominer autrefois ces terres. Une menace de taille que nous avons pris possession. L'une après l'autre, nous avons chassé et massacré ces bêtes les bêtes déchues. Mais Béthir a creusé un refuge souterrain et n'en sort que pour se nourrir. Je sais juste que c'est des créatures de feu et de fumée, et qu'elle a fait son antre sous terre, et je sais où elle est. Sylvesin. Mon peuple. Pourquoi le tuer alors? La corruption envahit la forêt, et si je me sens un autre de ces bois, leurs destins sont indissociables. Ouais, c'est pas faux. Si je me sens contaminé, il doit être éliminé. Akinna. Je sais qui est Akinna, mais pourquoi voulez-vous ça? Moi aussi, je sais qui c'est. Une dette ancienne qui date d'avant ta venue. Elle est même sur le royaume des ombres. Pourquoi voulez-vous la tuer là-bas? Pourquoi n'avez-vous pas la tuer là-bas? J'ai essayé, mais son domaine a sombré dans le chaos. Les seigneurs arachnéens se sont rebellés et elle a dû fuir son trône. Oh. On se met plus. Je l'ai traqué jusqu'au royaume des morts, mais cette crise a éclaté. J'ai dû rentrer aider mon peuple en laissant cette dette impayée. Le duo, je m'occupe de ça. Et le dernier, Argoul. Parlez-moi d'Argoul. C'est un démon qui doit être abattu. J'allais m'en occuper moi-même, mais le baron des eaux m'a devancé et a pris sa place sur le trône des morts-vivants.
Alors Argoul est mort? Mes vieux os pensent le contraire. Il est toujours vivant, j'en suis sûr. Eh oui, il est toujours vivant. Donc enseignez-moi ma super technique de la mort qui tue. Je me suis bien fait, c'est quoi? Frappe du faucheur. Non, c'est pas ça. Pas ça. Combo tornade. Non, c'est pas ça. Bon, osez. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'emmerde quand il n'y a pas de son. Oh la vache. Enfin bon, moi personnellement, il reste toujours le jeu lui-même, donc bon. Allez, go au rocher des larmes. Vas-y, mais monte! Il est con ce DS, hein? Il est con! Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah, mais tiens, je vais aller voir Belgrim! Non, réflexion faite, je pense que je vais garder ça pour moi. Ah, bah il est encore là, lui. Val du Patriarche. T'inquiète pas, je te tuerai bientôt. J'adore ce cheval, sans déconner, il est trop métal. Hop là. Vous avez entendu de celui la corruption, mais Sophie peut me perdre. Bah c'est sûr, c'est toi qui t'y colle, je veux bien te croire. Les larmes de la montagne. Que peux-tu me dire sur les larmes de la montagne? Le baston est juste à côté, papapla, la corruption l'a emporté en premier. Nous avons laissé les larmes du patrasse à l'intérieur pour les empêcher de se répandre. Ouais. Alia m'a demandé de les libérer. Ouais, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Non, sans déconner. Souvent des œufs. Sans l'arbre de vie, je suis plaisir ici, comme toi. Ah, voilà, Ultain. Ultain, c'était le forgeron que nous avions dans Darksiders 1. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus. Et pour ceux qui ne savent pas, tout de même. T'as pas osé suivre, t'as bien fait. Mais non, t'aurais dû suivre. Attends, il s'éclate sur la terre, là. Il est en train d'aider War et il s'éclate, là. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que ce jeu se passe exactement au même moment que le 1. Donc là, War, il est en train d'essayer de rétablir son honneur. Et là, donc là, il est en liberté sur la Terre. Et nous, on essaie de rétablir l'humanité. Donc nous, enfin, War et Death, là, ils sont en liberté au même moment. C'est juste ça. Donc là, c'est comme si... en fait, on arrive à accomplir notre objectif en même temps que War, il arrive à aussi, en fait. Donc en fait, les deux Darksiders se finissent au même moment. Il n'y a pas de genre, moi j'ai fini avant, donc je t'attends, un truc du genre. Hop, des ennemis, c'est merveilleux. Non, j'ai buté le nid. Sans le nid, il n'y en aura plus. J'aime pas les insectes. J'aime pas les insectes. Ah, vous savez plus quoi faire, hein? Allez, donc le fusil, enfin le flingue, bon, j'ai envie de dire fusil parce que bon, c'est un peu pareil. Le flingue est vraiment très utile pour les bêtes comme ça, hein. Genre pour les petits trucs qui volent, là, c'est trop pratique. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Allez. Na-na-na-na! Ouh! Je sors le marteau! Oh, comment je l'envoie, il balce. Oh, ça fait mal. Oh oui. Je vois rien que le marteau est trop gros.
Allez hop, continuons, hop là, hop là. Et hop, on n'est même pas encore au donjon, je commence déjà à galérer. Vas-y, essaye de me taper, vous pourrez pas. Vous avez pas de couilles pour essayer de taper la mort. Putain, deux balles pour les buter. Oh, et maintenant des maraudeurs. Oh, mais je vous emmerde! Retournez là d'où vous venez! Allez! Retourne là d'où tu viens, fausse rodard! Fausse rodard! Tata! Comment je les envoie valser, ils reviennent pas en plus. Voilà, bon toutou, coché. Parce qu'à la base, ce sont des chiens. Ah, voilà, un petit truc à moi. Donc ça, c'est pour pas que je fasse le grand détour, je passe par la grande porte. Voilà. Donc là-bas, il y a une quête ultra chiante que je ne ferai pas. Donc le mec qui est là-haut, là, je ne sais pas si vous le voyez. Ici. Là. Là-haut. Donc il y a une quête ultra chiante que je ne ferai pas parce qu'elle est vraiment, vraiment chiante. Hop là. Je n'arrive pas à l'attraper, c'est pas grave. Hop là. Ouh, ouh. Couch, couch. Allez, barrera! Tu sais plus quoi faire, t'es guaqué! Vas-y, je te brûle! Je te brûle des créatures des enfers et tu peux brûler, c'est n'importe quoi! Hop là! Ouh, ouh, ha! J'arrive pas à l'avoir. Bon, c'est pas grave. On passe ça, c'est. Pas grave du tout, alors... Je vais accélérer... Merde, je sais plus comment... Ah voilà. On va aller un petit peu par là pour voir ce qui s'y passe. Oui, il y a des coffres par là. Mais je n'ai pas encore le talent qui me permettra d'avoir le deuxième. Donc si vous regardez la carte, hein, je n'ai pas encore le deuxième. Donc ne vous affolez pas, je reviendrai. Oui, on va devoir revenir ici plus tard. Là, oh, magie, défense, je ferai ça plus tard. Viens. Galop! Run for your life! J'adore dire ça. Chouing, chouing, nioink, nioink, nioink. Aïe! Ah oui, quand on me frappe quand je suis à cheval, je me prends de belles gamelles. Hop là. Donc c'est pas moi, c'est Death qui sait pas atterrir correctement. Voilà. Un rôdeur en moins. Oh, il y a un rôdeur, j'aime bien ça, les rôdeurs, j'adore ça, émerge, j'ai plus de vie. Hop là. Allez hop. Tac tac. Cataclope, hop là. Gnagnop, comment ça? Encore ça! Et ma foule dans ta gueule! Hop là, t'es guaqué? Ah merde, là c'est moi qui suis guaqué. Yahoo! Yahoo! Yamakaki! Yamakazi! Yamakaki! Oh! Oh, j'en mets deux fois dans la tronche. Et il me propose des faux de feu qui sont plus puissantes niveau 5. Oh, intéressant. Intéressant tout ça. Je suis niveau 5? Mais attends, je suis niveau 5 donc. Donc attends. Je peux les utiliser? Ouais, le vengeur de l'ombre. Ouais, elle va nous aider. Ça. Voilà, déjà, on est un peu intense, soit plus résistant. Et on fait plus mal. Wow! Oh putain, wow, elles sont belles! Elles sont stylées! J'adore! J'aime ça, je les aime! Ah! Il y a des runes en plus dessus, ça c'est pas classe!
Ah, ils l'ont vraiment chiadé ce jeu. Hein. Franchement, c'est un bonheur à jouer. Hein. Je vous le conseille. Encore une fois. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je le dirai jamais. Je le dirai autant, mais. Je le dirai jamais assez, mais ce jeu est une tuerie. Bon, pour moi qui l'ai fait quand même pas mal de fois, ça ne l'est plus autant qu'avant, mais ça reste quand même un bon jeu. Je vous le conseille. Voilà, on est arrivé au rocher des larmes et il nous reste que 5 minutes. Donc bon, bah, on va commencer. Ouais, je vais niquer les ennemis quand même. Ta-ta-ta-ta, cataclope, cataclope. Tac, tac. Voilà. Donc, bon, bah, je sais, il reste 5 minutes, mais bon, après 20 minutes, je pense que c'est quand même assez raisonnable. Donc, je vous dis encore à tout de suite pour la suite. Donc, l'épisode 5, si je me souviens bien. Donc, à